Hey, salut, c'est Tiga, bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le LP What the Fuck, ou WTF si vous préférez. Alors là, comme vous voyez, j'ai pas activé aucun cheat, et aucun cheat d'activé. Ici, y a rien. Je me mets pas en jeu en ligne pour la simple bonne raison, c'est que Light n'est pas là, ça va être un autre épisode solo. Si vous avez pas écouté ma vidéo du Battle Mode, allez l'écouter, hein. Elle devrait être sur YouTube alors que vous écoutez la cette vidéo-là, elle devrait déjà être là. Alors là, on se retrouve à une autre place. En fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. J'ai tourné un épisode où je me suis promené jusqu'ici pour... Je me suis dit qu'on va aller explorer. Et on s'est emmené jusqu'ici. Il y a eu une save. Et plus tard, il y a eu une autre save et ça m'a fait Minecraft PS3 échouer. Alors, j'ai pas sorti l'épisode, mais comme il y avait une save ici, je pouvais pas faire un épisode. Alors là, vous demandez ce que je fais sur un toit et aussi dans un autre village que lui où on est. Ben, ici, c'est qu'il y a un villageois fermier que je vais devoir prendre et l'envoyer dans notre village si je veux faire une usine à bouffe. Et pour eux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo usine à blé compact que je pourrais reproduire pour faire une machine à reproduire les villageois. Il faut encore que je fasse quelques petits réglages parce qu'en fait j'ai oublié comment faire une usine à reproduction de villageois. Alors le fermier là-dedans, attendez un peu, je vais vous montrer le skin. C'est l'aviateur qui est juste là en face, de l'autre côté. En fait, on va mieux le voir de l'autre côté, d'après moi. Voilà. Ça, c'est le fermier. C'est lui qui va s'occuper de mes cultures, en tout cas. Au début, il s'en occupera pas, parce qu'en fait, là, il replantait d'autres trucs dans son village. Ça veut dire qu'il va falloir que je vide tous les plants qu'il va planter. Que je le vide au complet et que je le recharge avec des graines de blé ou de carottes ou de patates. Regardez, on s'en fout un peu. Là, il veut plus sprinter, pourquoi? Là, je suis vraiment désolé, vous devez quasiment arrêter. Ah ben oui, c'est vrai, j'ai baissé la... Deux secondes. J'ai oublié de fermer ça aussi. C'est-à-dire, vous avez un reflet de merde pendant le début de la vidéo ou non? Ah, quoique, il est pas super. Bon, certes, le jeu il est plus écrasé sur la tablette. Je suis vraiment désolé pour ça. Je vais essayer de régler ça. Dans les prochaines vidéos, là, l'écran devrait être à peu près droite. L'écran de la tablette, elle devrait être droite. Je vais fabriquer quelque chose avec des bouts de carton et autres items de ce genre. Mon spawner à squelette, hein, on le voit pas, hein? On le voit pas de loin. J'ai dit à Light, il va falloir mettre un stack si on veut le voir. Je pense qu'on est revenu au point de spawn. Oui, on est au point de spawn! Génial! Ah, parce qu'en fait, même si je voudrais prendre un de mes villageois, le faire contaminer par un zombie, et après le retransformer en villageois, c'est pas que je peux pas, c'est juste que... oui, je peux pas aussi, parce qu'il faudrait que j'aille dans le Nether. Ah oui, c'est ça aussi. J'avais fait le portail du Nether, dans le dernier épisode qui a bugué. Et bon, ça l'a supprimé, alors c'est pas si pire. Mais je pense que je vais l'installer dans la pyramide cette fois. En fait, j'avais pas eu le temps de rentrer dedans. En fait, j'ai fait la vidéo, je me suis dit, tiens, je vais vous tourner un autre épisode où que je vais dans le Nether. Alors là, il y a ça ici qui était une petite connerie d'un épisode qui est pas sorti finalement, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parlait d'un peu de n'importe quoi, mais vraiment, de n'importe quoi. Que ce soit de jeux ou de d'autres sujets qu'on peut pas parler vraiment sur YouTube, surtout pour ma chaîne. Alors voilà, ça c'est ça que ça va donner. Le portail, je vais l'installer ici. Comme maintenant qu'on peut les faire de 3 de large, il va rentrer parfaitement ici. Alors il faut juste que je brise ici. Et que je m'arrange pour... que ça soit loche. C'est-à-dire, juste ici, ça devrait faire l'affaire. En fait, il faut que je fasse un carré de... Il faut au moins minimum 3 de large. Ça, je peux pas miner ça, hein. Non.
Mais ça, je peux. Yep. Bon, ben voilà. Et voilà. Ici, où il y a les deux lampes, ça va, les deux lumières, ça va être pour des glowstones. Alors, on va, pendant que je pense, on va éclairer légèrement le temple parce que. En fait, en même temps, c'est pratique que Light soit pas là. Parce qu'en fait, là, il voit pas ce que je fais. Et quand il regarde de temps à autre mes vidéos, ben, il voit pas vraiment la progression de ça. Alors, c'est pas super. Alors, on va mettre. Ici, de toute manière, ça va être des. Désolé. Désolé, désolé. Oui, j'avais bouché le trou en haut parce que je voulais faire quelque chose de bien stylé, mais je sais pas si je vais le laisser déboucher. Voilà. Alors, on est revenu ici. J'espère que j'ai assez de psy, sinon il va falloir que je retourne miner. Et ça me tente comme pas d'y retourner. Pour le spawner à squelette, je sais pas si c'est lors du dernier épisode qui est sorti ou l'autre avant. Bordel, je croyais qu'elle allait m'attaquer maintenant. Merci les chiens! Vous nous avez sauvé la vie! Alors, on va tout remettre là. C'est quoi déjà je cherchais? Ah oui, de la psy. J'ai pas d'obsidienne. Ah, ben, ça a l'air que j'ai pas d'obsidienne, mais c'est pas grave. Je vous retrouve dès que j'ai plus un stack de Ray Booster. Pour la seule bonne raison, c'est qu'on va en avoir besoin pour amener le villageois jusqu'ici. Alors, on se retrouve tout de suite. Alors, bon, pendant que c'était juste le temps en fait que j'allumais, c'était pour vous montrer, regardez, ça display quand même assez vite. Bon, ça fait quoi 3 minutes que j'ai mis en. Ouais, 3 minutes que j'ai mis en arrêt. Alors, franchement, là, ça en fait des rêves. Sauf là, c'est surtout, je viens de calculer en fait, là j'ai baissé le son du jeu pour pas vous les entendiez trop. Là, c'est surtout que je pars d'ici et je dois emmener le villageois fermier. Ça, ça va être démonté, inquiétez-vous pas. Là, c'était supposé être ça l'usine à bouffe que j'allais faire, mais comme j'ai découvert, ben, comme j'ai fait mon modèle, ben, je vais faire mon modèle que j'ai fait. Alors, ça va être légèrement bizarre. Mais bon, c'est pas trop grave. Et là, il est pas supposé avoir de bloc. Alors, bon, ben, c'est parti pour faire des torches. Parce que je viens d'y penser, il me faut des torches. Ou des leviers. On va se faire un stack de leviers, hein. Allez, un stack de leviers. Et là, en plus, j'ai des blocs. Je vais prendre des blocs, hein. Blocs de grès, yep. Parfait. Avec mes blocs de grès, je vais faire une ellipse et je reviens tout de suite. C'est tellement le fun, les appels comme ça. Oui, bonjour. Ce serait pour un sondage. Est-ce que vous avez le temps? Ah, ben, quand est-ce que vous aurez le temps? Ah, ben, je vais vous rappeler dans ce temps-là. Merci de votre compréhension. Je vais t'assommer, Ast! Bordel! Là, à partir du plus haut bloc du village, je pense que je vais l'envoyer par là. Ouais. Je pense que je vais l'envoyer là. Le village, il est où en face? Ouais, ça va être plus facile de l'envoyer là en fait. En fait, ouais, bon. On va repartir au village là-bas. Et là, je vous ferai pas. Ah merde, mon joystick commence à bugger. Génial! C'est gay quand vous jouez trop. Bon, on se retrouve au village là-bas. Non, regardez, on se retrouve quand je vais revenir ici, là. Je vais mettre, regardez, on va mettre un bout de bois ici. Voilà.
on regarde dans la direction par là. Et on se retrouve tout de suite. Heureux. Bon. J'ai pas assez de rails. Faut que j'applique encore des rails. J'étais à peu près à la moitié de la map. Je viens de passer la grosse source d'eau que vous voyez sur la carte, là, juste devant moi. Il y a la rivière. Et là, si vous suivez la rivière, à un moment donné, il y a un spot où c'est plus gros. Je viens juste de traverser cette zone-là, en fait, avec les rails. Et j'en ai plus. Aussi, je viens de me rappeler de quelque chose. Si je veux me faire une usine à reproduction de villageois, il va falloir que je sois à 80 blocs d'ici. Mais je sais plus c'est combien de haut. Je pense que c'est 8. 8 ou 9. Ou c'est plus bas. Je sais plus. En tout cas, je reduplique des rails et on se retrouve dès que je vais avoir fini. Ce message est offert par les commanditaires Piston. Non, là, c'est juste parce que là, au lieu de maintenir le doigt, ben, vous faites juste ça, voilà. Alors, on va éteindre ce raffut. Merci, j'ai combien de stacks? C'est déjà mieux. On va en laisser 32, je devrais pas en avoir besoin. Et combien vous paraissez qu'il va m'en manquer juste 32? Alors, on va dormir parce que ça ne tente pas de faire tout sauter certaines zones de mirage. Et j'ai assez de fer pour me faire un wagon. Ah ok, je vais en profiter pour vous montrer aussi la maison à live. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Ben en fait oui, mais là il l'a légèrement amélioré. Alors voilà ce qu'il a fait. Ça fait quand même pas si pire, franchement là, ça donne un style. Bon certes, ici ça suit pas la route pantoute là, j'arrive dans un mur si je continue, mais bon ok. Il y a notre petit villageois ici qui est quand même assez pratique parce qu'il nous vend un plastron en diamant pour 19 émeraudes, P2, solidité 2 et pin 1. Qui est assez cheap légèrement. Je pense que c'est ça en plus que je porte. Non, c'est un plastron de fer. Ah bon. Là, on va aller chez Light. On va y voler un peu de fer parce que lui, je sais qu'il en a. Voilà. On lui prend 5 de fer tout simplement pour se faire un wagon. Je vais y dire, ça c'est sûr et certain. Mais bon, voilà. Maintenant, j'ai un wagon. Il est lettre le wagon. Il donne quoi sur les rails? Ah, ça fait un chariot. Voilà. Et voilà. Bon ben, je retourne poser des rails et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et nous voilà au bout des rails. Ben, au début des rails pour nous. Je vais emmener, je pense qu'en fait je vais arrêter le mannequin ici. Justement pour que ça va. Comme ça, ils vont être assez loin des villageois, mais en même temps, ça me tente pas. Alors, on va les emmener jusqu'à là. Et quand je vais avoir décidé, je vais retravailler les rails après, là. Alors, regardez. Hop. On va... Regardez ça! Bordel, ça porte tellement rapidement les rails. En tout cas, je vais bien avoir du fun à mettre le courant pour lui qui est dans l'eau. Parce qu'en fait, j'y ai pas pensé sur le coup, mais j'aurais dû le faire un de sortie de l'eau. Mais bon, c'est pas trop grave. Là, vous voyez pas grand-chose. C'est pas vraiment intéressant. Hein. Et là, j'ai une fleur. J'ai plus de rails déjà. Vous voyez, ça part tellement vite les rails. Je pensais en avoir au moins pour la moitié, mais bon. Alors, voilà. C'est comme ça pendant une minute, hein. Ça, c'est sûr et certain, ça va être comme ça pendant une minute de la vidéo. Allez, vous pouvez skipper une minute, là. Et je parlerai pas. C'est intéressant de poser des rails. Ça relaxe. Bon, je pense que je vais faire un genre de pont ici. Et voilà. J'entends ma plaie chauffer. Ma plaie est chaude. Ça veut dire qu'il va falloir que j'arrête de faire des vidéos probablement. Génial. Alors, je pense que je vais les emmener. Désolé, ça se manchait. En fait, je pense que je vais les emmener dans la pyramide. Qui est juste là, de toute manière, et pas si loin de ça. On va continuer le chemin jusqu'à temps que j'avais plus de blocs. Je vais voir jusqu'à où je peux me rendre à peu près. On va
on va s'en redonner d'autres, et voilà. Et c'est reparti mon kiki, alors... voilà, un bloc. On va miner lui en fait, parce que je viens d'y penser. Et voilà. Alors, on va les faire tomber ici, dans la zone où je suis en ce moment. On va mettre des rails pour les... juste les... vous comprenez, juste pour les bloquer là en fait. Voilà. Je vais m'arranger pour pas que les zombies puissent venir, ça veut dire je vais mettre des... voilà, on va mettre... ah non, 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 non. En fait, je vais mettre des clôtures, ça va être plus simple avec un portillon et... sauf pas pour les blocs de côté, ça je vais être... en fait, je vais mettre... voilà. Moi qui pensais que ça allait être la rapide de cet épisode-là. Non, pour vrai. Je suis sérieux, là. Je pensais que ça allait me prendre genre une dizaine de minutes, là. Mais je suis quasiment rendu à 30 minutes de vidéo. Alors, j'ai plus assez de bois pour me faire des barrières. Vous vous foutez de moi? Alors, on va revenir ici. Et j'ai plus assez de bois, c'est ça. En plus, j'ai désherbé toute la forêt là-bas. Ah, bah, je peux toujours vous montrer un glitch. Je sais pas s'ils l'ont patché. S'ils l'ont patché, ben là, je suis dans la merde légèrement. Il y avait une machine que je voulais faire pour ça, justement. Mais bon, s'ils l'ont pas patché, là, ça va être génial. Voilà. On met des sticks. Alors, en théorie... voilà. Alors, on va mettre tout d'abord les deux comme ça. Voilà, alors vous voyez ici, ah, ils l'ont patché. Parce qu'avant, on pouvait traverser entre deux barrières différentes. Et ils l'ont patché ça, là. Alors ça fait quand même, ça va faire stylé, ça va vraiment être un petit enclos à villageois. Ici, il va y avoir une porte quand je vais avoir du bois. Là, vous me dites, ben là, je parle de bois, mais t'en retiens juste dans le chien. Ben, oui. En fait, j'ai jamais besoin de clôture, bordel. J'ai tout le temps besoin d'autre chose. Bon, on va chercher un rail normal et on se retrouve tout de suite pour la fin du parcours. Et après, il va falloir que je mette des leviers tout le long. Ça va être long. Bon, ben... je viens de regarder combien de temps qu'on est de vidéo, alors... je pense qu'il va y avoir une... ben, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous faire des ellipses. Là, je vais être vraiment être obligé de vous en faire une parce que sinon... ben, de un, ça va être bien long et chiant. Alors, soit ça va être une ellipse, soit... d'après moi, ça va être la fin de l'épisode. Alors, vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait. En fait, je vais juste ramener les villageois. Je vais peut-être vous tourner le petit contenu quand je ramène les villageois. Ça devrait sortir pas longtemps après cette vidéo. Voilà. Ah, ben, si, bah, j'avais du grès ici. On n'aurait pas pu me le dire. Voilà. Finalement, au final, là, j'ai eu juste assez de rails. Bon, là, il y a un stack que j'ai pas utilisé, mais bon, j'avais quand même assez de rails avec ce qui me restait. C'était ça que je voulais. Je me suis crafté 3 nouveaux chariots de mine. Oui, bon, je suis allé piocher dans la réserve de fer à côté, mais bon, hein. Je vais y rembourser. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis comme ça, je rembourse. Mon épée en fer est toute décollissée. Juste pour vous donner une idée. La partie où ça n'a pas sauvegardé, ben, j'avais réussi à faire péter mon épée. Juste parce que j'avais exploré la map un peu. Si je me rappelle bien, c'est 15 que c'est. En fait, je vais utiliser un vieux truc et regardez, je vais juste vous montrer. Voilà, je mets un mannequin, je le pousse, et il part. Voilà, je le savais qu'il était pas allumé. What the fuck? Ok, on apparaît à côté, pourquoi pas.
J'haïs ça. On va refaire, voilà. Et c'est ça que j'allais faire. Hop, là il va revenir vers moi. Je le repousse. Il revient. Là, faut que je trouve jusqu'à où commence l'autre. Vous mettez un levier. Je pense que je vais avoir besoin de plus d'un stack de levier, mais bon. Comme vous voyez, le minecart, ça va y prendre de plus en plus de temps à venir me rechercher. À un moment donné, je vais être complètement à l'autre bout. Et ça va être... Mais c'est justement sur ce fait-là que je compte compter. Alors, là, pas sûr, je fais ça jusqu'à me rendre jusqu'à là-bas. Qui risque d'être très long. Il devrait arriver dans pas long, le minecart. 3, 2, 1. Je connais pas hein, les temps, hein. Il y en a même un qui m'a dit que j'étais Wikipédia, c'est pas pire. Bon allez, je vous retrouve dès que j'ai fini de foutre des torches partout parce que ça va être long et chiant à fumer, mais vous voyez, vous comprenez le principe. Merde! Ah oui, ça aussi ça va être pratique pour pouvoir rentrer rapidement à la maison. Mais sur ce, je vous dis une petite ellipse et on se retrouve. Regardez où je suis. J'ai même pas eu besoin d'un sac complet de piston. De piston. Waouh! De levier, je veux dire. J'en ai. Et ici, ben, j'aimerais juste arriver là. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Lui. Comme ça, je vais pouvoir le refaire partir. Il doit en manquer un ici, il n'y a pas de courant. Même pas, il y a du courant, lui aussi. Ah, il a dû arriver pendant que... Ouais. Alors là, le truc que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans la maison de Villagouan. Je vais essayer. J'aimerais surtout voir si vous avez des meubles à l'intérieur. Non, parfait. C'était surtout pour ça. Je vais juste regarder s'il y avait un meuble ou quoi que ce soit qui pourrait me gêner. Je vais faire la bonne vieille technique, ça veut dire un trou dans le mur. Une source d'eau, un bloc. Tu vas toutes les envoyer dans le coin. Et regardez ça. Comme par magie, ils vont être... ils devraient. En tout cas. Ok. C'est pas le bon villageois, mais bon, c'est pas grave, on va le laisser partir. Et merde, il faut que j'aille chercher l'autre minecart qu'il y a là. C'est surtout qu'on va être trois là à se promener dessus. Bon, ça veut dire, ça se peut que le minecart que j'ai en ce moment, ça se peut qu'il va être utilisé quand je vais revenir. Alors là, ça devrait être plus rapide pour les... pour la fin de l'épisode. En fait, ça va vraiment être ça pendant les dernières minutes. Je vais courir après certains villageois, je suis à peu près sûr. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'un seul des trois villageois. Mais je vais toutes les ramener. Alors, hop, on débarque. Tac, allez, on ramène ça là-bas. Non. Là, comme vous voyez, j'ai enlevé deux rails. C'est pas pour rien, c'est juste parce que... je vais pouvoir les pousser. Bon, les deux rails sont là, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, et les rails, ben ici en fait, ça va, je vais juste les pousser, ils vont tomber. Et voilà, ils vont se promener les trois là-dessus. Voilà. Alors. Mais en fait, pour l'instant, je vais juste les prendre, les pousser là. Alors en fait, les barrières vont me servir à quelque chose. Ils vont enfin me servir à quelque chose, ces barrières-là. Alors ça, j'allais devoir les laisser là tout le long de la saison et repenser au bois que je l'ai gaspillé pour les avoir créés. Quoi que ça va? Quoi que c'est sûr et certain que ça va? Là, j'attends juste que les villageois, le villageois revienne. Parce que c'est surtout ça. Ah ben voilà, il arrive déjà. Allez, rentrez. Enculé. Oui, c'est un enculé. Bon.
Je vous fais une ellipse le temps que le villageois y arrive où je suis. Ok? Ellipse. Bordel. Enfin. Et voulez-vous que je vous dise le plus drôle? Attendez, je vais remonter un peu le son parce que je l'ai baissé. Regardez ça! On est quasiment la nuit. Il m'a fait gosser pendant tout le jour 24. Voilà. Premier wagon. Maintenant, bon, là j'hésite. Est-ce que je pars avec ou regardez, on va faire un test. Je fais un test, je fais une ellipse, le temps qu'il revienne. Ce qui prend à peu près 3 à 4 minutes, gros max. S'il revient avec un villageois, ben, je vais envoyer l'autre sans y aller. Sinon, il va falloir que je sois là pour déposer le mannequin. Alors on se retrouve dès qu'il va être revenu. Ça là, il va falloir que je me tape un chemin jusqu'à là-bas. Ah, si vol. Et ça me tentait pas. Alors là, je suis vraiment désolé. Et merde. J'ai pas d'arc, hein? Non. Égal! Désolé, là, mais là, je suis obligé de taper le cheval. Je vais débarquer un petit peu plus loin. Il y a une place juste avant un canyon, entre guillemets, que j'ai traversé. Alors, je suis vraiment désolé pour les bruits de fond. C'est juste que là, il commence à faire chaud dans la maison, tout. Voilà, on débarque ici. Je désactive le levier qui est là. Ça va les empêcher de revenir. Et lui, ben, il va juste faire des allers-retours. Alors, on se retrouve dès que j'ai réussi à mettre les deux villageois dans les malcartes. Alors là, franchement, on va mettre des torches un peu sur le chemin. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas pour profiter de ce que j'ai fait comme construction pour mettre des torches un peu partout. Voilà. Alors là. Hop, il est reparti. Je sais pas s'il va attraper l'autre villageois. J'ai réussi à prendre le villageois que j'avais besoin, c'est-à-dire le fermier, ben lui qui va être utilisé en tant que tel, c'est lui. Alors là, il faut que je le remplisse avec des seeds de blé. Là, ça va être pas trop dur, j'ai juste à... En fait, je viens de penser, j'ai juste à prendre ça et foutre là. Je remonte. Je m'installe ici. Voilà, il va tomber direct en milieu. Bon, de toute manière, il faut que j'attende que le mannequin revienne pour le repousser. En tout cas, j'espère que cette vidéo Mission Villageois vous aura plu. Et oui, bon, ça va être ça le titre de la vidéo, je sais pas être sûr. Il y a un homme de mine derrière moi, ça me tente pas de le regarder. Alors, you. Loin hein, pour le faire focus hein. Et là en même temps je surveille pour le minecart, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Certes il n'y a pas eu beaucoup d'action ou quoi que ce soit, ça a été vraiment plus du transport de villageois comme qu'on aurait fait si on serait à l'épisode 50, mais bon. Alors l'affaire c'est que j'avais un villageois fermier dans une des maisons. Ah, il devrait être arrivé. Non, pas encore. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, dites-le moi dans le commentaire. Et sur ça, je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Tiable.